Alerte. Il en tire de ça. Alerte, connectez-vous. On cause un peu. Connectez-vous, on cause un peu. Connectez-vous. Alerte. Alerte, connectez-vous. Je bois ma dernière Kaji. Alerte. Alerte. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Alerte. Je suis bafant aujourd'hui. Je suis bana. Big up. Alerte. Suis-moi bana aujourd'hui. Suis-moi bana. Et voilà le champagne. C'est comment? Je suis moi bana aujourd'hui. Quelqu'un qui envoie les têtes de mort. Chérie, si tu ne peux pas boire la bière, c'est pas mon problème. D'accord? Tu as une tête de mort parce qu'une personne, le filtre de ça, ce n'est pas le filtre, c'est mon teint. Quel genre de filtre? Flora peu. Une abeille qui dit que le filtre de ça. Quand tu me vois, je ressens quelqu'un qui a le filtre. Qui met le filtre? Hein? Je ressens une personne qui met le filtre. Je ressens quelqu'un qui met le filtre. Quand vous me voyez, je ressens une personne qui met le filtre. Hein? Je ressens quelqu'un qui met le filtre. Oh, elle a mis le filtre. Pourquoi? Claude, tu nous grondes. Je bois ma Kaji. Que quoi? Je vais bloquer quelqu'un qui vient me parler les vracs. Ça ne va pas, non? Tu m'as bien regardé. Regarde-moi la sale chienne là. Je te bloque, sapac. Je te bloque. Je t'ai bloqué. Parce que tu ne sers à rien. Tu as entendu? Regarde-moi cette petite bimbèche là. Qui pousse les gens à aller se marier. Les frustrer comme ça. Les frustrer comme ça, la vie est un risque. D'accord? Regarde-moi celle-là. Regarde-moi celle-là. Parce que si on te boit une cagie, ça te choque. La meilleure bière, le champagne du pays. Importe quoi. Tu m'as bien regardé. Regarde-moi bien. Je suis une PDG. Hein. Tu dis que le filtre. Quand tu me vois, je ressens quelqu'un qui met le filtre. Quand tu me vois, je ressens une personne qui met le filtre. Le filtre de ça. Regardez-moi. Je bois ma bière, ça te choque. Les frustrer comme ça. Tu cherches quoi sur mon mur? Flore, arrête de faire la promotion de l'alcool. Adama. Donc, je fais la promotion de l'alcool. Hey! Les Camerounais, vous me dépassez. Je ne suis pas Camerounaise. Hein. Je suis Française. C'est pas possible, ça. Ne me fais pas watiser, toi, wesh. Ben, tu fais la promotion de n'importe quoi. Si c'était le runard, tu n'allais rien dire. Maintenant que c'est le champagne du pays, tu dis que tu fais la promotion, tu es jaloux. Toujours en train d'encourager les gens d'ailleurs. Regarde-moi ça. Tu m'as bien regardé, toi. Tu fais la promotion de l'alcool. Ce n'est plus la promotion du piment. Vous avez tout changé de bouche. Pourquoi tu changes de bouche? Hein? Vous êtes fleur de Dieu, tu fais la promotion. Pourquoi tu changes de bouche? Il faut dire que pimentier, non? Le mot est là démodé. Agis bien, il a fallu du temps. Il a fallu du temps pour créer cette bière. Il a fallu du temps. La Kaji bière. Il a fallu du temps. C'est une bière qu'on a pris le temps pour créer, comme Dieu a pris le temps pour me créer. Vampire. En plein journée, tu me dis, fleur de l'île. Ça ne va pas, non? Tu me dis que je rentre quand? Pourquoi? J'ai qui? J'ai le gars. N'est-ce pas, vous avez dit que je vais mourir vieille chouette sans homme, non? Je suis là. Je gère. Et ça ne chauffe pas. Oh. Marc Fouda, ça va? Irène Congo. Congo, quand j'entends Congo. Hé! Hey! Ouloulouloulou, maman, les Congolais.
Les Wolais. Les Congolais sont les Wolais de cuit. De cuit. Les Wolais. Et Wol. Les Wolais. Les Congolais. Quand j'entends Congolais. Adama. On peut mentir comme ça. Congolais. Congolais. Vous voulez m'empêcher de parler. C'est vous qui... C'est vous, Congolais. La profession des Congolais d'abord. C'est les grands menteurs. On les connaît. Ils mentent jusqu'à demain. Les Congolais, leur profession. Et ils volent dans les magasins en France. Partout. Et c'est les bons parleurs. Ils sont calmes. Tu donnes le bon Dieu sans confession. C'est comme ça que les Congolais sont. Les Congolais, leur profession. Leur profession phare. Sûr. Ils volent. Même chez Chanel, on ne peut pas. Les Congolais, les Mboka, on les appelle les Mboka. Pardon, ne parle pas des Congolais. Ne tente même. Je dis que. Ne tente même pas ça. C'est quand tu veux commencer là. Que ne parle pas des Congolais. Ne tente même pas. Tu comprends, non? Tu comprends? Quand on ne parle pas des Congolais, on va parler des Congolais. Tu as compris, non? Un Congolais vient exploiter notre soeur. Vient mentir à une femme amoureuse. Est-ce que vous trouvez ça normal? Quelqu'un qui ment, tu tapes Google, tu ne vois pas son CV. Il dit qu'il est effacé. Il vient mentir notre soeur. La polygamie existe. Quand on est déjà marié et que tu dragues une femme, tu dois dire à cette femme que j'ai déjà une vie en Europe. Ça ne marche pas avec la personne, mais j'ai déjà ma vie. Tu ne viens pas mentir une petite fille dans le silence. La jeunesse. Quand un homme vient vers toi et il te dit qu'il ne gère pas sa famille, c'est que ce n'est pas un bon gars. Aucun homme vrai ne peut te dire que je suis venu vers toi, ma famille, je ne gère pas. Vous n'avez pas interdit quelqu'un d'être amoureuse. L'amour, on peut aimer. J'ai aimé quelqu'un dans ma vie. J'ai aimé quelqu'un dans ma vie. Vous voulez dire qu'une femme qui a prouvé son amour à un homme a aimé jusqu'à au-delà de l'amour. Quand tu regardes les deux, tu vois que le gars, la fille, elle aime le gars du fond du cœur. Un homme qui se marie, il se cache. On cache le mariage. On cache le mariage. Vous parlez de quoi là? Vous dites que c'est le buzz. On ne fait pas le buzz avec tout, hein. Si c'est vrai, je suis venu dire que je suis roubaisienne. Je suis de la banlieue, moi. Je suis fille de Roubé. Vous avez compris? Je suis de Roubé. J'ai des amis congolais comme ça. Si ils tentent, ce n'est pas que le vrac qu'on dit. Si Francis le Congolais, il essaye, hein, on va le traquer, même à Paris, partout, dans les banlieues où il vit là. Dans sa banlieue là-bas, à les banlieues de Rakaï là, on va le traquer. Qu'il essaye, il verra. J'espère que c'est le buzz. Parce que ce n'est pas le buzz. Il tente. Maman, on peut mentir comme ça. Tu fais une fille. Je dis que je n'ai même plus la voix tellement. Ça, la façon qu'il y a les gars qui m'ont dit. Quand Coco s'est mariée. La façon que j'étais, je me vantais avec. Wow, je n'ai pas dormi. Hein. J'ai rêvé. J'ai dit que je voulais me marier. Le mariage là m'a fait rêver. Le mariage là m'a fait rêver. Le mariage là m'a fait rêver jusqu'à. Et j'ai ma copine, elle voulait se marier. Et elle était. Oui, ouf. J'arrive. Oui. Bonsoir. Oui, je vais descendre. Il y a quelqu'un qui est là pour mes bagages.
Ah oui, je pense qu'il faut qu'il descende les bagages. Oui, merci, merci. J'arrive, j'arrive. Hey, hey, des choses, oh. Aïe, aïe, Adam, Adam. Les affaires, oh. Vous savez quoi? Je ne veux pas parler fort. Je ne veux pas parler fort. Nous tous, on a déjà aimé. On nous a trompés. Quand tu aimes, tu ne sais pas ce qui... En fait, l'amour, c'est un risque. Quand c'est un risque d'aimer. Même celui que... Il n'y a rien à dire que Ikoko ne le connaissait pas. Les hommes savent cacher leur jeu. Les vrais bancs, les vrais voleurs, là. Ils savent cacher leurs yeux. Le jeu. Elle a le droit d'aimer. Et elle a fait rêver. Je ne veux pas dire les autres, je dis moi. Elle m'a fait penser au mariage. J'ai pensé au mariage. 2 jours sans sommeil. Tellement j'étais en train de réfléchir que, ouais, quel gars, je vais aller chocoler au mariage là-bas. Après, je me suis rendu encore compte que, hey, une femme ne s'épouse. Une femme ne se dote pas. Je vais respecter les traditions. Je vais attendre le jour qu'un gars vient me doter. Oui. Donc, ne dites pas que non, elle ne peut pas aimer. Elle a le droit d'aimer. Elle a aimé cet homme. Vraiment, elle était sincère. L'amour, c'est un risque. Même l'homme avec qui tu vis depuis 20 ans, il te sort un coup. Tu dis que, hey, Adam, on peut faire ça. Il y a les hommes, c'est quand ils meurent, c'est où on voit les enfants. Hey. Quand il est vivant, il rentre, il sort le matin, il rentre à 19h. Il mange que je lui mange pas dehors. Mais la double vie, tu ne connais pas. Je dis que hors réseaux sociaux, laissons d'abord les histoires que vous êtes en train de faire comme si c'est la première femme que un homme. Que ça, si ça ne marche pas, c'est la vie. C'est la vie qui est faite. Ça nous fait, ça va nous faire mal. Mais mieux, elle a découvert ça étant encore en Afrique. Vous imaginez, un homme peut mentir une femme comme ça. Jusqu'à elle fait ses bagages, elle fait le debout-debout que elle s'en va déjà en bain. Depuis, elle est toujours là. Tu as besoin de trouver une fille qui a sa stabilité. Et c'est toujours avec la complicité des gens qu'on connaît. Pourquoi les gens qu'on connaît nous mettent toujours dans les choses comme ça? Hein? Ils montent les coups pour qu'on nous en acte. Pourquoi? Elle avait une vie stable. Pourquoi elle a une vie stable? Vous forcez les gens d'aller se marier. Le mariage, c'est obligé. C'est ce que vous me dites tous les jours ici. Va te marier, va te marier, va te marier. Si je cours, maintenant, je tombe dans les bras d'un gars qui me fait mal. Ça n'a rien à voir. J'ai refusé de croire, mais maintenant, je crois. Ce n'est pas le buzz. Et c'est Coco qui l'a barré. Donc, ça, c'est l'avantage maintenant est du côté du Cameroun. C'est elle qui l'a dit que... Assez de tes mensonges, dégage. Et le gars pleure. Donc, comme depuis la nuit, les gens pensent que oui, Coco et sa famille pleurent. Non, elle ne pleure pas. C'est elle qui l'a barré. Et c'est bien quand c'est une femme qui bat un homme. Ça fait encore mal jusqu'à... Surtout quand tu bats un pauvre. Celui qui n'a rien. Qui t'a mis dans un petit vélo. On peut mentir comme ça. Si c'est le buzz, c'est un mauvais buzz. Tu fais croire que tu as les puits de diamants, tu as les puits de pétrole. Quand on tape Google, on ne voit même pas ton nom qui figure. Tu as demandé, tout le monde peut demander candidat, peut demander à être président du Cameroun. Vous croyez que c'est quoi? Oh, il a posé sa candidature pour être président dans son pays. Et alors, ça fait quoi? Ça fait de lui un milliardaire. Hein? Ça fait de lui un milliardaire. C'est qui est sûr qu'on l'a hébergé? On l'a donné à manger. Oui? Vous pouvez entrer, monsieur. Ah, tu descends une fois. Comme ça, mes bagages là, non? Oui, c'est mieux de mettre en bas. Je vais descendre. J'attends juste la personne qui m'amène à l'aéroport. Merci. Je suis déjà au carrefour, d'accord. Donc, j'étais en train de dire que c'est quand je vais être à Paris. Laisser après les faits, faire le bon direct. Je tente de dire que l'amour, c'est un risque.
Même l'homme que tu as vécu avec pendant 30 ans, il te fait les coups bas. Et nous, on va continuer à aimer. Parce que nous, si nous, on se dit maintenant qu'on va se méfier dans l'amour, aucun homme, les hommes seront tristes. On va continuer à rendre les hommes heureux. Elle a fait un beau mariage. Elle a investi dans son mariage parce qu'elle aimait son homme. Parce qu'elle aimait son homme. Si tu aimes un homme, tu fais comment? Tu fais que ce soit joué sur une influenceuse. Quand vous voyez d'abord ce gars, il ressemble à un milliardaire. Un milliardaire est ce pavane sur les réseaux sociaux. Hein? Un milliardaire pousse sa femme pour être sur Facebook. La façon qu'il poussait derrière Coco pour être star. Il est venu derrière elle pour chercher le contact avec les ministres, oui. Il est venu derrière elle parce qu'il cherchait le contact avec les ministres, les numéros de téléphone des ministres, des hommes d'affaires. Oui, il est venu derrière elle par intérêt, mais son coup a raté parce qu'il a le numéro de personne. C'est ça. Ça, c'est le fait. Et les vrais faits, là, ils investissent d'abord le capital. Il a mis le capital. N'importe quoi. Vous pensez qu'on va pleurer celui-là? Il est qui? Il ressemble à quoi? Pourquoi on le pleure? On le pleure qu'il est qui? Il a quoi? Hein? Il est venu exploiter notre soeur. Elle a découvert, elle a zappé. Oh, ah. C'est ça qui est ça. On ne pleure rien. Nous ne pleurons pas. Parce qu'il n'est rien. Il a apporté quoi? Comment elle a couvert cet homme? Elle a couvert ce monsieur. Elle a aidé. Les hommes ne sont pas reconnaissants. Et quelqu'un qui se comporte comme ça envers une femme, vous pensez que sa vie, même ses affaires vont marcher. Sa vie ne peut pas donner. Parce qu'il a berné, il a utilisé. Hein? Il a utilisé notre soeur pour avoir les numéros. Mais il n'a pas eu. Et il nous a blessé une belle princesse qu'on va mettre la cale. Il ne la verra plus jamais. C'est bon. Tout est disponible. Merci, monsieur. Le quoi? Ah, le chargeur. Ah oui, je prends. Mon chargeur. Et comme il y a les faux chargeurs ici, quand tu veux le vrai chargeur, ça ne marche pas. Merci. Il nous a laissé une belle princesse. Ce qui est sûr, nous, on va mettre la cale. Vous comprenez? On va mettre la cale. Il va voir. Il va marcher. C'est comme ça. L'amour, c'est un risque. Ça, c'est rien. Ça, c'est rien. Parce que, vous savez pourquoi je dis c'est rien? Parce qu'elle a découvert son côté Wolowos tôt. Oui. L'amour, c'est un risque et le droit est risqué. Même celui avec qui tu vis, ton mari qui est dans la maison avec toi maintenant, tu sais où il est alors qu'on parle. Le va se coucher ici. Ton mari qui est là. Vous les femmes, vous aimez juger. Hein? Ton mari qui dit qu'il est au travail, le va se, hein? Il est couché ici au lit. Tu comprends? N'importe quoi. On peut connaître un homme. Hmm? Ça fait mal, mais vaut mieux tôt que tard. Il a fait son truc là. On ne le gère même pas. C'est elle qui l'a même fait connaître. Il est venu derrière notre soeur pour se faire connaître, pour draguer encore d'autres femmes. Oui, il est venu se faire connaître. Qui le connaissait? Qui le connaît? Vous donnez même le nom là. On sait qui? C'est qui? Quelqu'un habite. Moi, je connais Monaco. Hein. Quelqu'un habite à Beau Soleil chez une femme. Vous dites qu'il habite à Monaco. On descend seulement les escaliers comme ça, on entre là-bas. Il habite que Monaco. Beau Soleil, oui, Beau Soleil, on descend les escaliers. Hein? Les fausses copines qu'on a ici dehors, elles présentent un gars. Oh, celui-ci est bien jusqu'à. Il a les puits de pétrole. Adama. C'est bien. C'est bien. Mais on ne le pleure pas. Parce qu'on l'a barré. Le Cameroun a barré le Congo. C'est ça, ça dit que l'histoire retiendra qu'un. Le Cameroun a baillé le Congo et le Congo pleure. Un homme qui vient d'abord en mariage. On peut en mariage une femme. On peut accepter que ce n'est pas ton pays. Tu t'es marié, pourquoi tu es resté? Tu ne voulais pas rentrer. Le billet d'avion, tu n'avais pas.
de billets d'avion pour rentrer, tu avais. Non. Tu es venu, tu n'as pas de famille. Tu viens en mariage, aucun membre, t'es que les amis de Facebook. On se marie avec les Facebook. Un homme vient en mariage, d'abord, il vient en mariage sans sa famille. Pourquoi? Quand il a grandi en Europe, il est héritier. On tape son nom de l'héritier, on ne trouve pas. Il est héritier où? Dans quelle famille? Il vient d'où? Il sort d'où? Bravo, Coco. Bravo, Mamve. Bravo. Tu l'as barré, Coco, dans le silence. Il pleure. Ses amis pleurent. Je ressens seulement ses amis pleurent. Le mariage n'est pas une fin en soi. C'est qu'il est sur l'eau. L'histoire retiendra qu'elle s'est mariée. L'histoire retiendra. Un homme qui se marie ne déclare pas en France. Mais ce monsieur n'a pas déclaré le mariage en France. Le mariage n'était qu'ici au pays. Ça s'est arrêté dans les papiers, il n'a pas déclaré en même. Il cherche que les enfants des présidents. Pourquoi il ne peut pas chercher la fille d'un président au Congo? Parce que, parce que la famille présidentielle, quand tu arrives là-bas, on cherche que tu es qui, tu sors d'où, ta famille c'est qui? Il ne pouvait pas atteindre le niveau là. Il s'est arrêté au Cameroun. Parce que tu as cru que le Cameroun était était vraiment là où tu vas t'arrêter pour mentir les filles. Franchement, on va te tendre un guet-apens à Paris et tu vas tomber. Mais c'est trop facile de se faire semblant aller s'asseoir dans les endroits, les points des gens qui ont les moyens là. Quand j'ai ouvert mes yeux pour dire que le type est même riche, un jour on a discuté pour la voiture des mariés. Pourquoi? Parce que le milliardaire, il y a toujours une touche qui montre qu'il est milliardaire. On peut faire quelque chose de simple. Le milliardaire aime la simplicité. Mais il y a quelque chose qui prouve que la personne, c'est à l'argent. La voiture qu'il s'est marié avec là. Les milliardaires aiment les belles voitures. Ils pouvaient mettre une voiture dans un jet privé. Ou bien il loue, il y a les grosses voitures ici au Cameroun. Il loue même une grosse voiture. Il a fait ça. Il a fait ça. Oh, la simplicité. Hein? Le jour du mari, il était là même. C'est-à-dire qu'il tremblait comme s'il a peur. Hein? Dès qu'on dit que bonjour, monsieur, il fait ça. Il a peur. Parce qu'il a fait ça à combien de personnes? À combien de personnes? Tu es tombé là où est? Tu es tombé là où est? Ce monsieur-là, ce Congolais-là, tu es tombé là où il ne fallait pas. On va te traiter. Tout le monde saura qui tu es. Même comme il y a certaines filles-là qui vont aller aussi être avec lui. Juste parce que Coco est passé, vous allez passer. Parce que vous allez sentir l'odeur de Coco. C'est tout. Sinon, on se dit à tout à l'heure. Je n'ai pas encore parlé. Hein. Vous ne faites pas ça. Vous-même que vous êtes avec vos gars là, voici le 23 décembre, on vous a donné quoi? On vous a donné quoi? Rien. N'est-ce pas, voici le 23 décembre, le poulet. Il faut que vous attendez non pour vous acheter le poulet. Coco peut s'offrir tout ça. Elle peut trouver encore un autre homme qui dépasse celui-là, qui l'épouse. Elle claque comme ça, un gars vient. Parce qu'il est beau. On mange ça. Tout à l'heure, on se voit à Paris.